The best weapon against an enemy is another enemy. Welcome to Skyroz's channel. Gameplay and commentaries. Hey, salut tout le monde, c'est Skyroz, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour la découverte de Watch Dogs. Voilà, premier gameplay sur Watch Dogs. Pas de spoiler, voilà, je vais pas faire l'émission, je vais pas montrer ça parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais qui veulent quand même garder la surprise du début. Et c'est pour ça que j'ai pas montré ça. C'est vrai que le début, bah, ça raconte un peu l'histoire et c'est vrai que c'est mieux de le découvrir soi-même quand on va jouer au jeu. Si de toute façon vous voulez voir le jeu, comment il se passe, si vous voulez voir toute l'émission, il y a des personnes qui vont faire toute l'émission justement. Une par une, et à ce moment-là, mais bah, voilà, je voulais pas faire de spoiler, on me l'a demandé également, et puis de toute façon, c'est pas trop mon style de faire ça, je préfère faire plutôt un petit gameplay, juste découverte, sympa, pour montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Je connais pas vraiment tout, j'ai joué à peu près une heure, mais je peux dire que déjà, c'est quand même assez kiffant, ça, y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment kiffant, donc c'est comme GTA, hein, on peut se balader comme ça, sauf que petite particularité, il a un téléphone qui nous permet de hacker à peu près tout, donc il a accès au CTOs. Alors je pense que c'est comme un central qui contrôle toute la sécurité de la ville, etc. On peut voir ici notamment la caméra, tu peux la hacker et justement tu vois ce qui se passe par rapport à ça, tu vois les gens et tu peux pirater, voilà, on peut pirater les gens, donc là on peut pirater les conversations, on peut pirater leur argent, etc. Et puis après on va au distributeur, boum, là par exemple lui, est-ce que je peux rien faire, je peux pas interaction. Et connard, mais tout un connard. Mais oh. Alors, petite déception par rapport à ça, tiens. Bon, tu vois, les gens, ils réagissent pas trop. Tu vois, comme dans GTA, tu pousses un peu comme ça, les gens, ils vont se mettre à te mettre des petits coups de poing et tout. Et là, je sais pas si on peut le faire ou pas, mais pour l'instant, je peux pas le faire. Pas mettre de coups de poing. Et ça, j'adorais sur GTA, t'arrives, et bam, patate. Mais bon. Je vais arrêter là les comparaisons avec GTA parce que, mis à part le fait qu'on puisse se balader, on est dans un open world, on peut faire ce qu'on veut, y a quand même des différences. Et puis, bon, voilà, justement, le style reste assez similaire, mais sur le fond, y a quand même pas mal de changements. Alors, je sais pas pourquoi elle se sauve, elle. On va essayer de voir. Ah non, c'est elle, je dis elle, c'est lui. Yep, voilà, et il s'est tapé la vue, pauvre con, tout le monde t'a vu. Allez, on se casse. Alors, je peux sortir mon arme, et si je sors mon arme, automatiquement... crime détecté. Alors ça, ce sont des missions annexes, donc ça n'a rien à voir avec... le jeu en lui-même, les missions du jeu. Il y a pas mal de missions annexes qui est vraiment pas mal. On a la minimap, et je trouve qu'au niveau... comment c'est montré au niveau du design, c'est quand même... un truc numérique, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu veux ma patate? Putain, je peux pas te mettre de patate, ça me démange, hein, ça me démange. Et il y a pas mal de missions, et vu comment c'est présenté au niveau de l'écran, c'est vraiment super joli. Déjà, les graphismes sont beaux. Alors là, je suis sur Xbox One. Heureusement que c'est beau quand même pour le App City Host. Ah, voilà. Alors, je sais pas ce que c'est, Dictatel. Ouais, bref. Alors, il y a un truc. Alors, on a un téléphone. Non, ça, je m'en fous, ça. Ah, ta gueule. Ok. Alors, on a un smartphone, donc ce qui nous permet de hacker à peu près tout. Alors, tu peux, quand tu es en voiture, tu peux hacker les feux rouges, tu gagnes des points de compétences quand tu fais des missions, et ça te permet d'avoir plus de compétences dans le fait de hacker. Donc là, au début, tu hackes simplement les feux rouges, les conneries comme ça, et avec les points de compétences, j'ai par exemple acheté le fait de pouvoir débloquer des balises. Donc quand il y a la police qui te poursuit, tu poursuis quelqu'un toi, et c'est vrai qu'il y a des conditions au départ comme ça où tu dois poursuivre quelqu'un, boum, tu peux activer les balises et boum, il fonce dedans, et je peux te garantir que tu le défonces pas avec la voiture, donc ça permet de bloquer la personne et ensuite tu la tues pour pouvoir gagner. Alors ce sont les missions annexes, hein, qui permettent de débloquer. Bon, au début je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses missions, pour l'instant j'ai rien fait de celles, je pense que c'est plus pour apprendre à découvrir un peu comment fonctionne le jeu, avoir le jeu en main. La prise en main est très bonne, vraiment, même les véhicules, moi qui ai un petit peu de galère sur les véhicules, c'est relativement bien. Bon, il faut un petit peu le coup de main. Et, par contre, la police est pas souvent très... Enfin, sur l'expérience que j'en ai eue, est des fois un petit peu difficile à semer, mais des fois un peu conne. Voilà. Il y a des fois, c'est chaud quand tu es en pleine conduite. Franchement, pour le semer, c'est difficile. Mais il suffit que tu t'arrêtes, tu te planques derrière une voiture ou même tu fonces dans l'eau, boum, c'est semé. Alors, c'est assez ridicule. Donc là, je vais essayer de voir si ça marche, ça. Nouvelle partie. Voilà, alors ça c'est par exemple, t'es là-dedans, j'ai pas réussi à le tester encore, chargement, niveau 1, voilà, allez hop, je sais pas comment ça marche,
Ça va être un truc dans la ville, voilà, où on va devoir tuer des gens. Donc c'est assez sympa comme mini-jeu que t'as. Je pense que c'est ça, j'imagine. Donc je trouve que c'est sympa, tu vois, t'as ton petit téléphone. Ouais. Voilà, je peux rester appuyé. Yeah, triple kill. Bon, on va continuer, on va voir un petit deuxième niveau, voir comment ça se passe. Donc ouais, je trouve que c'est sympa ces petits jeux que t'as, tu prends ton smartphone, boum, t'actives les petits jeux et finalement bah ça te permet de t'amuser un petit peu dans la ville sans avoir à tuer des civils. Parce que lui c'est plutôt genre justicier, il veut faire le bien, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il écoute les conversations des gens et il essaye de prévoir s'il y a des crimes qui vont se passer. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui veut faire le bien. C'est pas comme Trevor où le mec c'était vraiment un enculé. Lui au contraire il veut faire des bonnes choses. Donc effectivement quand on va tuer des civils, quand on va les écraser, bah ça compte un peu négativement. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que j'aime bien. Bon attends, je vais quitter parce que c'est sympa 2 minutes. Mais oui, mais on n'a rien à branler. Mais voilà, c'est un petit peu dommage parce que moi j'aime bien écraser les gens, comme ça c'est rigolo, tu t'amuses un peu, mais là justement du fait que bah, t'es le justicier, tu dois faire des bonnes choses. Alors finalement peut-être que c'est bien, ça évite que des gens se mettent à écraser des gens dans la vraie vie. Bon, on peut quand même voler les voitures, alors on va voler une voiture, tiens, casse-toi toi. Allez hop, va au gym. Ah merde, il appelle les flics. Alors ça que j'adore, c'est que tu peux changer la vue. Voilà, là t'as une vue classique, t'as une vue un peu plus éloignée. Ton minivan il pue la merde, bâtard. Là t'as une vue comme ça. Alors ça c'est les vues que j'aime bien. On va faire une petite course poursuite quand même, mais je vais m'arrêter pour une meilleure voiture parce que celle-là elle schlingue un peu. Casse toi bâtard. Les petits dérapages sont assez sympas. Alors là le mec il parle, je sais pas ce qu'il veut. Oh putain, je crois que le CTO va me repérer. Donc la police va me repérer du coup. Vite vite vite, ah je l'ai esquivé, c'est bon. Donc voilà, si t'arrives, tu vois sur la minimap, si t'arrives à esquiver justement le point jaune qui est le scan, bah, t'arrives à esquiver la police. Donc ce qui est pas mal, c'est que t'as une petite chance de t'en réchapper. Mais faut faire attention, faut pas faire le con non plus. Et voilà, donc là tu peux te balader. Et la petite vue comme ça avec le volant, qui est quand même assez sympathique, même si ça réduit un petit peu au niveau justement de la vue. J'ai préféré celle-ci. Voilà, hop, petite marche arrière. Avec ça, on voit bien. Ouh, elle est jolie cette petite voiture. Voilà, qui fait penser un petit peu à un Dodge Charger, si je me trompe pas. Ouais, plutôt un mélange entre la Mustang et le Dodge Charger. Dodge Charger qui sort en passant, les nouvelles muscle cars comme ça qui sont vraiment super jolies. Malheureusement, bah, ça coûte un peu de sous. Voilà, Public Enemy. Ouh, je vais arrêter pour pas qu'il y ait de copyright sur la musique, on sait jamais. Alors là, je sais pas où je suis, par contre, elles sont super puissantes ces voitures-là. Donc, évidemment, on va essayer. Ah, tiens, on va faire un petit crime avant de foutre le bordel avec la police. On va le placer sur la navigation, donc sur la minimap. Vous pouvez voir la minimap. Alors je vais faire un dézoom, voilà, que vous puissiez voir la ville, comment elle est grande. Bon, j'ai pas fait toute la ville, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air quand même suffisamment grand. Donc allez hop, c'est parti pour la petite mission. Le bruit des voitures est quand même très très kiffant. Et les sensations également quand tu vas tirer ou quand tu vas conduire sont vraiment très kiffantes. Allez hop, on va partir, on va faire le justicier. Petit dérapage incontrôlé. Alors on va voir, tu vois, tu pirates les feux rouges. Boum, tu peux les mettre au vert. Donc du coup, voilà, là, regarde, hop, je le mets au vert. C'est à moi de passer. Oh merde. Là, je vais me garer là. Bah, oh, c'est ma place ici. C'est ma place de parking. Putain, pourquoi je peux pas mettre de patates, ça me démange. Donc il est où le mec là? Je sais plus. C'était ça là? Non, ça, ah, il est là. Ah oui. Merde, alors du coup, je vais reprendre ma voiture. Excusez-moi. Heureusement que c'est pas en vrai, putain. Parce que là, je l'ai un petit peu défoncé. Ah bah non, mais en plus, je m'étais trompé de route. Ouh, il y a un marchand d'armes. Oh, j'ai une petite mitraillette sympa, un petit pistolet. Pour l'instant, ça suffit. On peut acheter des snipers. Donc, bah, attendez-vous à un sniper montage bientôt. Sniper gameplay sur Watch Dogs. Donc, c'est vrai que Watch Dogs, ça fait un moment qu'on l'attend, celui-là. Il devait sortir, bah, justement, à peu près aux alentours de GTA. Je pense que ça a été malin
qui retarde la sortie parce que bon, effectivement, GTA a quand même une répute et fait une certaine concurrence, mais Watch Dogs a quand même son épingle à la sortie du jeu. Hein. Franchement, je sais pas si c'est très correct ce que j'ai raconté, mais Watch Dogs a quand même ses avantages. Et bah déjà graphiquement il est sur Next Gen, donc c'est quand même mieux, la petite erreur de GTA de ne pas l'avoir mis sur Next Gen. Et a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités, et c'est assez sympa. Alors là, chut, faites pas de bruit, on va ouvrir le profiler, récemment expulsé. Alors il est où? Je vais le pirater lui. Compte en banque, hop, j'ai pris ton pognon bâtard. Voilà, il est là, non? Alors là, faut que je reste là justement dans le périmètre, parce qu'il va passer dans le coin. Mais je sais pas exactement où. La probabilité de crime. Je crois que c'est peut-être lui qui va se faire buter. Je sais pas si c'est lui qui va se faire buter. Voilà, là, tu bouges pas. Tu vois le triangle en fait, plus le truc se fait autour comme ça. Ah, il m'a repéré. Mais comment ça se fait? Ah, putain de bâtard. Bon, allez. Ça t'apprendra. Tiens, headshot! J'ai commis un meurtre! Je m'en suis pas rendu compte. Alors, ah oui, on peut le faire exploser ça. C'est assez marrant. Alors, attendez, comment on recharge déjà? Non, c'est pas ça. Je crois que c'est ça, voilà. Hop, attends, je vais rentrer l'arme. Jouer, non, off. Non, je m'en fous, voilà. Alors, faudrait attendre qu'il y ait un passant. Alors c'est étonnant qu'ils aient pas appelé la police, parce que d'habitude c'est vraiment des gros connards, dès que tu butes un mec ils appellent la police. Franchement, mais les mecs ils ont pas de vie quoi. Alors il y a encore un crime détecté, voilà. Donc automatiquement sur ces petites missions, voilà, bon il y a rien de spécial. Mais ça permet de s'entraîner un petit peu. Alors je dis rien de spécial, je sais pas trop exactement, puisque j'ai pas vraiment beaucoup joué au jeu. J'ai fait une petite découverte comme ça pour avoir un peu les éléments. Mais comme j'ai dit, je voulais pas spoiler, je voulais juste montrer un petit peu plus ou moins qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ressemble le jeu, juste voilà pour découvrir, pour ceux qui veulent se garder encore la surprise du jeu en lui-même, mais quand même pour se donner un avant-goût et peut-être un peu une mise en bouche, comme on peut dire. Alors est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux... Alors là, je peux pirater ça, lui. Voilà, compte en banque. Hop, je t'ai volé 180$, ta gueule. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux faire? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire exploser? Et automatiquement, bah, quand il y a les gens qui passent dessus, ils explosent aussi, donc ça c'est marrant. Tiens, je vais te pirater, toi. Hop, 220$. Donc on peut pirater les comptes comme ça, et après tu vas au guichet, puis tu retires. Voilà, normal. Ah putain, attends, je vais le garder comme ça. On va attendre qu'une voiture passe, voilà, pour foutre la merde. Ouais, comme un gros connard. Il va pas assez vite, lui. Je voudrais qu'une voiture aille vite quand même. On va attendre. Pirater dans la... Il n'y a pas une voiture qui peut venir là? Ah. Merde, non. Voilà. Ah merde, ils vont pas très vite. Hein. Je m'attendais qu'ils aillent un peu plus vite. Bah voilà, tu vas rester là toute la journée, pauvre connard. Bon. Crève, sale bâtard. Précisez votre urgence, il y a un putain d'enculé qui est en train de tirer sur tout le monde, le bâtard. On lance la recherche du suspect. Oh. Allez, champion d'échecs. Viens là. Ah. C'est vide par balle ça ou pas? Non, pas du tout. Le suspect était localisé. Aïe, ça pue du cul. Voilà, tiens, donne-moi ta voiture, je vais essayer de me sauver quand même. Allez, c'est parti. Oula, attends, par contre, je vais dépirater ça, parce que je vais devoir passer, hein, s'il vous plaît, merci. Arrêtez-vous tout de suite, il dit le mec. Oui, bien sûr. Je vais m'arrêter. Oula, il veut me percuter. Ah, mais j'ai pris une voiture de merde aussi. Ah, il lui faut de l'aide, hein, pauvre connard. Ouais, t'es tellement con. Panneau publicitaire, voilà. Le voir pour le croire, effectivement. Avec des messages quand même très forts. Hein. On peut dire que là, on est tombé dans le fort. Alors je vais essayer quand même. Tu vois, c'est vachement bien le fait qu'ils aient mis cette vue-là. Parce que pour conduire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ou que c'était beaucoup plus précis, mais c'est vraiment beaucoup plus précis. Je galère beaucoup moins. Wouhou, allez hop, c'est parti. Ok, je m'arrête, les mecs. On veut pas s'amuser tranquillement 2 minutes. Hop là. Allez, dépêche-toi.
Allez, bande de bâtards, merde, il me tire dessus. Oula, vite. Alors, je suis pas encore mort une fois. Ah bah voilà, c'est fait. J'allais dire, je suis pas encore mort une fois, je sais pas ce que ça fait. Mais on va voir, allez hop. Qu'est-ce que ça fait quand on meurt? Effectivement. Bon, c'est un peu long les chargements. Bah bon. Alors, le jeu, je l'ai téléchargé sur le Xbox Live. Je crois que c'est à peu près 20 gigas. Donc, c'est pas si lourd que ça. Ouh. Un peu de l'eau dans la barbichette. Bon. Ah, une jolie voiture. Sors de là, s'il te plaît. Putain de merde, vas-y, il appelle les flics. Quelle est la nature de votre urgence? Un enculé a volé ma caisse toute neuve. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais toutes les voitures sont bien propres. Tout est nickel. Voilà. T'as pas une voiture sale. Non, elles sont toutes propres. On cherche le suspect. Wouhou, le suspect, il est en train de niquer tout le monde. Elle est bien cette vue aussi. Hein. C'est sympa. Ça donne une petite immersion en plus avec les vibrations. Quand tu fais les virages, etc., quand tu vas taper une autre voiture, il y a des petites vibrations. Ah, effectivement, les voitures également se détruisent, donc faut faire attention. Ouais, on l'a perdu, bah ouais, je suis trop rapide pour toi. Wouhou! Ah, je suis retourné à la case départ, casse-toi, connard. On va écraser 2-3 personnes quand même pour s'amuser. Hein? Hop là, déjà une. Oula, bah par contre, là on voit plus grand chose. Hein. Bon, ça fera du boulot au ferrailleur, c'est déjà une bonne chose. Nous, on est des créateurs d'emplois, tu vois. Qu'est-ce qu'il est garé là, lui? Tiens. Je sais pas comment tu vas sortir. Alors bon, des fois, t'entends la radio, ils te racontent des trucs, des machins. En fait, je pense qu'ils te racontent plus, parce que, en gros, ils essayent de faire une menace sur la ville en disant, nous, on a hacké votre système, vous êtes des connards, on fait ce qu'on veut. Ce qui est viable, c'est sympa. Vraiment, qui cracherait dessus? Ah, un petit bar! Voyons voir s'il y a des putes. Non, je rigole. voyons voir si on peut rentrer déjà dedans. Oui! Faire des achats. Ah, allons faire des achats. Salut. Salut. Vous cherchez quoi? Bon, un petit coca. Merci. Et Très bien. Très bien. D'accord. Voilà, c'est assez basique. Il n'y a pas grand chose. Donc, l'autre fois, ce qui était marrant, c'est que j'ai acheté une arme qui m'a coûté 1 500 $. J'ai buté le mec, j'ai récupéré 1 200. C'était assez rentable. C'est normal, ça? Ouh, attends. Je vais attendre qu'il passe dessus, voir s'il se soulève. On va voir. Bon, attends, il est moins dans les poches, tranquille. Viens là, viens là. Ah, il ralentit, hein. Il se demande ce qui se passe. Hein. Attends, je vais me mettre là, peut-être que ça va te faire décider. Merde, merde. Hey, allez, on passe. Il dit mais je passe. Hop là. Ah, j'ai plus de batterie, quel con. Ouais, nique ta mère. Bouge-toi. Il nous tire dessus. Hop, on déclenche l'alarme. Je peux déclencher les alarmes justement pour faire des petites diversions. Ouais, y'a un malade, et t'as bien la malade, bâtard. Enfin... Et là, tu vois, y'a le scan CityOS, tu te barres du scan, et puis voilà. C'est bon, c'est tout. Bah, tu peux tuer les gens... Ouh, le petit accident, tu peux tuer les gens impunément comme ça. Mais on va pas se laisser faire. Parce que justement, on va s'amuser un petit peu. Alors, tu peux sélectionner ton arme, voilà. Donc là, j'ai un fusil semi-automatique avec seulement 2 étoiles. Alors il y a un recul quand même de l'arme, hein. Il faut arriver à le juger. C'est-à-dire que si tu laisses comme ça appuyer, elle monte l'arme, tu vois. Donc il faut un petit peu tatouiller comme ça, un peu comme sur Call of, hein. Ah, il y a de la police. Je les aime bien, ces enculés. Viens là, bâtard. Ouh, triple feed. Dommage, j'ai loupé la multi-kill et j'ai fait hitmarker. Allez, casse-toi. Je peux pas mourir. Bah ouais, bah casse-toi alors. Wouhou, on a voté la voiture de la police. Alors là, on n'a pas d'étoiles, mais on a des espèces de carrés rouges. Voilà, c'est pareil, hein, y a de la résistance. Attention, plusieurs unités sont en route vers la position du suspect. Alors les flics, c'est comme sur GTA, ils sont aussi cons. Enfin, comme dans la vraie vie, en fait, je pense qu'ils ont mis une intelligence
pardon s'il y a un flic qui regarde, je vais me faire détester. Oui, non. J'allais dire, ouais, c'est l'intelligence artificielle est bien créée, mais c'est un peu... Ah, c'est pas cool s'il y a un flic qui regarde, quoi, parce que, bon, c'est un peu faire une généralité pour quelque chose qui l'est pas. Alors, s'il arrive à me rattraper alors que j'ai la même voiture que lui, c'est du foutage de gueule. Donc, sauf, vraiment, sans aucun... Mais casse-toi, fils de... Aucun... disrespect, j'allais dire, en anglais, sans vouloir manquer de respect à la police, bien évidemment. Mais il faut quand même avouer que y en a des gentils, moi j'en connais, hein, j'ai des amis qui sont de la police. Hein, qui sont plus mes amis depuis qu'ils sont rentrés dans la police. Non, je déconne, tu vas une vieux enculé. Non mais mec, c'est bon, c'est fini. Hein. Non mais j'ai des amis qui sont policiers, ils sont très gentils, je connais des flics très gentils. Mais il faut avouer quand même qu'il y a quand même une grosse partie de gros connards. Hein. Je rentre dedans, attention, mais dis donc aucun, attention. Ah ok, je m'arrange. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il accélère en même temps que moi, ce bâtard, hein, il le sait. Hein. Allez, course-poursuite. Allez, hop! Alors là, il va falloir que je le sème, je sais pas comment. Mais on peut voir que la fluidité, que le graphisme est quand même relativement bon. Même très bon. Putain, cassez-vous, bande de bâtards. Alors là, il faudrait que je retourne dans la ville pour essayer de donner un peu plus de peps, de dynamisme. Arrêtez-vous tout de suite, ça m'étonnerait mon pote. Oula, 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 oula. Allez hop, on va sur les chemins de fer. Ah, il y a le pont. Yes. Yes, yes. Merde, je l'ai fait se tourner, donc du coup ils l'ont dans le cul. Ah voilà. Et du coup ils sont comme des cons. Tu vois, ils ont pas pu passer le pont parce que je l'ai piraté. Ils sont comme des cons. Allez hop, on va ouvrir le portail. Ça c'est vraiment vraiment génial quand même. Bonjour. Ouais, allez, c'est parti. On va voir. Sérieusement, bien sûr que je l'aime, il faut que je lui dise. Il faut que je sache si c'est pareil cool. Comme ça t'auras une réponse. Ah. Et de se faire les films. La prochaine fois qu'on se voit, je te jure, c'est parti. Je me lance et je lui parle. On dirige à l'ouest de votre... Ouh, finalement ils m'ont repéré. Ah putain ouais. Attends. Attends, vite, 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 vite. Il reste que 4 secondes. Je me cache, je me cache. Oui, je me suis caché. Central, le suspect a disparu. Ouais. Mec, il a pété un plomb et tout. T'as pas remarqué qu'il y a la police, gros connard? Point de compétence obtenu. Ah, merde, comment on fait? Voilà, c'est ça. Bon, alors les compétences, progression, voilà, piratage, objets fabriqués. Alors tu peux fabriquer des objets, alors tu ramasses des trucs, tu ramasses des produits chimiques, toutes les conneries que tu trouves par terre, voilà, tu les ramasses et puis finalement après tu fabriques un truc et ça te permet dans l'émission justement, au moment où j'ai ramassé plein de produits, j'ai fabriqué une connerie, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, je l'ai lancé sur un mur pour faire de la diversion, voilà. Donc finalement, ce qui est bien dans ce jeu là, c'est... Il y a énormément de choses à faire, voilà, il y a plein de petits détails, rien que déjà sur les points de compétences, sur à chaque fois ce que tu peux faire, en fait finalement plus t'as de points de compétences, plus t'as de possibilités d'action dans le jeu, t'as plein de missions annexes, tu dois vraiment faire le justicier, tu peux pirater pas mal de trucs, donc ce que je trouve, voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que t'as de grosses possibilités, contrairement, enfin dans GTA t'as pas mal de choses, mais... Bah t'as les missions mais finalement tu te retrouves un peu plus centré sur un objectif que là, je trouve que t'as pas mal de petits détails qui finalement je pense que peuvent faire la différence. Après faut voir à la longue et faut jouer un peu plus, faut voir la durée de vie, je la connais absolument pas. Et comme j'ai pas fait de mission, comme j'ai dit, je veux pas spoiler. Alors on va partir de la partie combat. Est-ce qu'il y a un truc pour mettre des coups de patate? Mettre d'armes et menus à rapidité avec laquelle vous changez d'arme. Ou pour faire une couette-fille d'arc-en-ciel mon pote. Focus, mais ça j'ai déjà débloqué la Ford là. Oh, quel bloc de merde. Là je veux bien, j'en fais des fois, mais celle-là vous avez pas rigolé. Hein. De toute façon je suis vraiment même pas compris tellement elle était pourrie. Grenade à fragmentation. Ah, allez hop, j'achète. Ah, j'ai plus de points de compétence. Alors attends. Ah bah. Ah, fabriquer. Ah, Y. Voilà. Ah là, d'accord, tu fabriques, tu vois, tu les débloques et tu les fabriques après. Bon, on va voir ce que ça donne sur... Bah... Merde, non, ça, je veux sélectionner, voilà. Mais non, mais...
Mais comment je fais? Police, j'écoute. Quelle est votre urgence? Non mais écoutez-moi, il faut venir vite. Il y a un fou qui se balade avec une arme. Mais... comment je fais pour jeter la grenade? Dis-moi comment je fais, toi. Oh la vache! Comment je l'ai défoncé, la pute. Et là, mais j'aimerais bien pouvoir jeter ma grenade. Je sais pas comment on fait. Fenêtre bang là. Là, il se cache les mecs, il a peur de mourir. Oh le PD, il a peur de mourir. Allez hop. Casse-toi, casse-toi. Alors attends. Hop. Voilà, hop, ils sont bloqués. Normalement, je crois que j'ai réussi mon coup. Hein. J'ai réussi à les bloquer, à les ralentir un petit peu. Ah merde, j'ai pas pu aller. Alors là, je vais essayer d'aller dans l'eau quand même. On va lui rentrer dedans. Ça va, vous avez que deux phrases ou quoi? Rangez-vous! Bien sûr, je me range tout de suite. Je vais me ranger sur la gauche! Wouhou! Voilà. Ils sont tombés dans l'eau avec moi, les bouffons. Alors je vais essayer de niquer l'hélico quand même, voir si on peut la niquer. Il est où? Les mecs ils sont barrés direct. Pas très combatifs les agneaux hein. Alors je vais retourner dans l'eau. Ah tiens le bateau, ah nickel. Allez hop, allez niquer tous vos mères. Je me barre en bateau, vous êtes en voiture, vous êtes comme des cons. L'hélico s'est barré, 2-3 balles, ça y est. Bon, oh, bah je crois que ça va le faire. Faudrait que je trouve quand même comment on jette ces putains de grenades. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'eau au bout. Ou c'est un effet d'optique. Ah non, j'arrive dans le canal, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la police? Casse-toi, connard. Hors de question qu'on laisse filer, stop. Centrale, alors voyons voir jusqu'où on peut aller, tiens. Parce qu'il y a l'air d'avoir une limite, hein. Il y a l'air d'avoir un mur imaginaire. Ouais, voilà. Effectivement, il y a un mur imaginaire. Donc, finalement, le bon truc pour esquiver la police, tu vas dans l'eau. Et puis voilà. Hop, tu t'arrêtes comme ça. Attends, je vais changer de vue. Voilà, tranquillou. Hop. Puis tu peux siroter ta bière, tout ça. Tu peux toujours défoncer les gens. C'est... on va vérifier vers l'est. Alors, comment on jette la grenade? Comment on fait? Alors, vite, 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 je vais les défoncer. Yes, baby! Yes, baby! Alors, comment je peux faire? Multi, hop. Non, c'est pas ça. Donc, je sais pas comment on fait pour acheter la grenade. Je sais pas. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ouhou! On appuie sur viser et l'autre bouton, c'est pas tiré. Ah d'accord. Allez hop. On va aller jeter des petites grenades sur la police. Et effectivement, c'est toujours marrant de tuer un peu la police. Et puis après, bah voilà, j'arrêterai la petite vidéo découverte. On va voir un petit peu ce que ça donne quand même. Une voiture de patrouille de choc, mon pote. Attention, ils te mettent la pression, les mecs. Avant, je suis tombé dans l'eau. Alors on peut nager plus vite. Alors, hop, je peux monter là comme ça. Il a peut-être changé de bagnole, le mec est vachement observateur. Ça fait un moment que je suis dans un bateau, hein, tête de fion. Alors là, hop, c'est fini. Ils sont barrés. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai essayé de retourner en ville quand même pour essayer d'exploser 2-3 voitures comme ça, exploser des gens juste pour voir comment ça rend.
J'aime bien les petites explosions. Je suis un peu pyromane, on va dire. Alors. Ouais, c'est un petit peu chiant là. Ah bah attends. Voiture à la carte. Ah, ça c'est bon. Un peu cher celle-là. Hein. Un peu cher. Il n'y en a pas des gratos. Je sais pas que je suis radin, mais. Ouh, une petite moto. J'ai jamais testé de moto. Allez hop, on va tester la moto. Commander. Ah voilà, elle est là-haut. Tiens, je suppose. Je te préviens, ils ont intérêt à me donner une bonne augmentation cette année. Parce que celle de l'année dernière. Ah, je croyais que c'était des putes. Alors hop, on va partir chercher la petite moto que j'ai jamais conduite encore. Donc voilà, donc du coup tu peux appeler justement, t'as un service de voiture. Et voilà, tu peux appeler, voyons, les vues qu'on a. On a pas la vue avec le guidon, tant pis. Allez hop, on va aller en ville. On va foutre la merde un peu. Ouh là là, la vache, la pression. Ouais, baby. Il y a quand même une bonne sensation de vitesse. J'adore vraiment, j'adore cette vue-là, quoi, la première personne. Ouh là. Ouh, pas mal, pas mal, ça a freiné. Bingo, wouhou. Ah. Effectivement, ça va pas trop là. Écoutez. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'ils sont morts les gens à l'intérieur? Bouge pas toi, bouge pas. Reste là, on va faire un petit mur. Ah, il a l'air mort. Hein. Il a l'air mort. Quelle est votre urgence? Allô, la police? Ça tire dans tous les sens. Hop là. Oh, dans le dos, c'est dégueulasse. À petite distance, on va y voir. Et il appelle la police. Hein. Ah, tu peux le tuer avant qu'il appelle la police. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, finalement, tiens. Ah, il y en a d'autres qui appellent la police. Police, quelle est la nature de votre urgence, s'il vous plaît? Allô, la police? Il y a des coups de feu ici. Il y a des coups de feu. Tiens, allô, ta gueule, toi. Allô? Allô, vous êtes toujours là? Mais non, j'entends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va laisser les appeler quand même. Ici la police, quelle est votre urgence s'il vous plaît? Ah, t'appelles plus, hein? Hein? Tiens, t'as pas de la merde dans le cul là? Tu te chies dessus, bâtard, hein? Allez, je vais te laisser en vie, je suis pas un con. Attends. Ouais, j'ai menti. Attention, baissez-vous! Non, j'aime bien ta caisse, tiens. T'es mort. Police, précisez votre urgence. Précisez votre urgence. Il y a des coups de feu. Allô? Allô? Il y a de la merde dans le tuyau. J'entends rien. J'entends rien du tout. Bon, attends. Ah, bordel. J'ai un peu freiné. On va attendre qu'ils arrivent vers nous. Quand même. Voilà. La police vous poursuit. J'espère bien. Il a une arme! Ouh là, par contre, j'ai plus de balles. Voilà. Voilà. Merde. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah, je me suis fait tuer, je voulais exploser leur putain de voiture de flic. Voilà, en tout cas, c'était simplement une petite découverte, un petit gameplay découvert de Watch Dogs. Je suis pas vraiment un expert de ce type de jeu-là, donc bah, je me suis dit que j'allais pas faire des missions, le walkthrough, je sais pas comment on dit, walkthrough. Puis je voulais pas spoiler non plus, je voulais simplement montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Plus ou moins les possibilités, bien évidemment, je suis au tout début du jeu, donc j'ai pas montré toutes les possibilités, puis également c'est pas un spoiler, donc je vous laisserai à vous découvrir. Là j'ai fait à peu près une heure, donc c'est simplement pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Pour ma part, j'ai vraiment bien accroché, c'est très kiffant, la prise en main, l'immersion est très bonne. Donc voilà, je pense que ça va être de très longues soirées à jouer à ce jeu là et j'espère que vous aussi vous allez l'apprécier. Et bah, pour ceux qui ont joué au jeu, n'hésitez pas à partager votre avis. J'imagine qu'il y en a pas mal qui ont réussi à obtenir le jeu peut-être en avance et qui ont pas mal geeké dessus. N'hésitez pas à partager votre expérience, partager à votre avis, tout ça par commentaire, pour aider les gens à prendre une décision si oui ou non, bah, pour les gens qui voudraient l'acheter, parce que c'est vrai qu'acheter
acheter un jeu, c'est toujours un peu un petit coup. Ça coûte des sous-sous. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce petit gameplay découvert de Watch Dogs, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos commentaires, vos appréciations, tout ça. Voilà, si vous voulez un plus de gameplay Watch Dogs, donnez aussi, si vous en voulez plus, dites-le, que peut-être que j'en ferai, je ne sais pas, on verra ça. Un petit pouce vert également, ça fait plaisir, c'est la récompense. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye.